switch la chaîne et c'est bon. Et coucou. Coucou tout le monde. Comme promis, on fait la suite de Life is Strange. Donc, Life is Strange Before the Storm, qui est donc le préquel des aventures de Life is Strange. Donc, toujours donc l'épisode 1, et on continue où on s'en était arrêté hier, à savoir au niveau du train, quand on montait dans le train avec Rachel. You sure you don't want to just grab the bus, or... Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Well? What the hell am I getting into here? Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu hier. Hold up a chair, Price. The view's amazing. On s'est arrêté juste là. Au moment où on était censé aller en cours, mais que finalement, on avait préféré sécher les cours avec Rachel. Rachel wants me to pull up a chair. Maybe one of these crates. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols donc, mean. On avait dit de pousser la caisse et de s'asseoir dessus. C'est là où on s'est arrêté. Things heavier than it looks. Guess I should sit down. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? What is wrong with you? What? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. Bizarre, cette caméra. Cette plante caméra. That sucks. Hey, so, I want to say thanks. For pulling you out of school? No, dummy. Thanks for last night. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you, that's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well... I wanted some company. That's it? That's it. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun? Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Allez. V-card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far. Well, I don't know.
Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is... a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Sounds fun. You're on. Ça permettrait d'en savoir un peu plus sur Rachel. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Je dirais ambidex. I don't buy the ambidextrous claim. No? Well, that's too bad, because it's true. Prove it. Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Damn. I'm afraid the lie was New York. I'm a Cali girl, born and raised. So, New York's on the bucket list. Broadway, here I come. Cool. Okay, your turn, Price. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Sad to say this, since you're a Leo and all, but I'm allergic to cats. Are you now? Swear. On va dire de vérité. Devenir pirate, oui, c'était vrai. I used to want to be a pirate when I grew up. I kind of still do. Arrrr. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Buckle swash. Plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? So, pirate. Obviously true. Maybe you'd like to be my first mate. Oh. Are you accepting applications? Considering it. Okay. You say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. Well, sure. It's not for everyone. I get that. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true.
Which brings me to your alleged cat allergy. Alleged? I'm calling lie. Why is that? I mean, maybe you're allergic. But I've passed by your locker a few times. And I've seen that old photo of a cat you keep in there. His name was Bongo. He was a gift from my dad. Did he pass away? Yeah. My dad died 2 years ago. I thought everyone knew that. I meant Bongo. Oh my god, of course, that's what you meant. I'm so sorry. Hey, that's okay. Awkward moment of the year? Definitely. So, if my math is correct, you told me 2 truths and 1 lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well, I'm impressed. C'est vrai que ça aurait pas mal de changer pour voir la différence si je donnais que des mensonges. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot, that's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? Fair point. Wouldn't mind listening to some music. Sûr qu'on partage. Hey, wanna listen? Ce serait bizarre quand même qu'à deux en train et t'écoutes ça. C'est pas la première fois qu'ils font l'utilisation de ce genre de scène qui en soi est peut-être pas infinie, mais sur lequel ils nous proposent de cut la scène. Les animations manquent un petit peu de fluidité. Je sais pas si c'est lié à l'utilisation d'Unity pour le coup, mais j'ai trouvé quand même Life is Strange bien plus fluide sur certaines animations. Allez, on va continuer. Bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach.
reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach, or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Ça, c'est marrant, I need an accomplice. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Fuck it! C'est marrant le fait qu'elle dise un jour je risque de disparaître comme ça, parce que bon, c'est ce qui va plus ou moins se passer, quoi. Ah. Oula, le jeu il a eu du mal. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one? I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hmm. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Il va falloir que je répare mon. This whole day is out of order, but in the best possible way. Damn, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? À mon avis, il va falloir chercher. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use? Je vais demander sinon on peut aller chercher. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah.
My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Pas aller loin avec. Ah, elle est deg puisqu'on lui a. Mal. Damn it! It always looks so easy in the movies. I wonder if I can find something sturdier to use. Je pensais aussi, puisque avec une lime à ongles ou faire ce genre de choses, ben on va chercher. Il doit bien avoir quelque chose dans le coin. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, ah. Washing laundry and... Alors celui-là, je pense qu'il est un petit peu abusé quand même. Mais pourquoi pas? Je pense que j'ai dû en louper plein déjà. I'm gonna need a bigger prior majigger. Don't axe, don't fell. Non, c'était regarder uniquement. Le banc pour s'asseoir. Balançoire à pneus. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it. Innocence lost. I guess nature doesn't quite provide. Mais jette pas la lime. Stealing a dedication plate takes persistence. Après avec les écureuils si s'il n'y a pas un truc à faire. Prescott power activate. I win. That was enough of a game for me. Your MacGyver skills are second to none. Except, probably, MacGyver. Rachel smells like jasmine. Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it? I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Yeah, right, barbecue. Qu'est-ce qu'on a? Y'a rien.
arrive à la route. On a une femme sur son PC. They totally stole my third grade art project. Wow, you made that? Can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Mais bizarre, elle va attendre comme ça. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Ouais, bah il s'est dit. Pas sûr, hein. Et on va la regarder, elle, là, qui est toute seule. Sweet beanie. What do you suppose she's thinking? Sure, the view's great, but I prefer to look at pictures of nature on a computer. Ugh, the grass around here is so not green enough. I cannot wait for the machines to take over. Ah, deux petites secondes. J'arrive. Hop, désolé. Ah, on a arrêté elle. What's going on with these two? And the Lord saideth, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now. Lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow. That was dark. Too dark. Perfect dark. Reste le sportif. Loving this guy. What's he thinking right now? Dans la rue, pas les abeilles. C'est bizarre, oh, please don't mistake my shorts for begonia. I've been pollinated twice this week already. This is fun. Who's next? Oui. Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Oh, honey, I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Bizarre le changement qu'elle a d'un coup, là. I don't know. I might still be hungover from last night. Wrong answer.
You don't ask a girl out and then not buy her a drink. Et tu vas le payer comment vu que tu as cramé tes 25 derniers cents? They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. I'm going in. Try to keep up. Can we help you? Oh my god! Holy shit! Talk about committing to a performance. Better act. Ça pour chourer une bouteille de vin, quoi. Oh, thank god! Please, this girl is in trouble! Go get help! I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the. What are you waiting for? Go! Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. No. Yep. Definitely needs mouth-to-mouth. Okay. Okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Thou shalt help those who help thine selves. You know who said that? God? Oh, word? I thought it was Benjamin Franklin. Oh, but that's even better. Damn it! She's right. Hey, wow! I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart, thank you. Yeah, good work, everyone. Peace out. That was incredible. You're a hero. Huh, I guess I am. Ah, puis se boire la gueule au rouge. Here, you earned this. Allez. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. I am excessively sober right now. Right. Okay, guess we're leaving now. Il reste quand même beaucoup plus narratif que ce qu'était Life is Strange. On est vraiment beaucoup plus sur beaucoup plus de dialogue et de choix que d'action et de déplacement. Cette même ambiance qu'il y avait dans Life is Strange, mais sans
sans l'équilibre qu'il y avait, qui était vraiment bon. Wow. Hey, check this out. Après, bien sûr, il s'agit que de l'épisode 1 pour l'instant. La fameuse casse. Great. It's a pile of trash. Yeah, an awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Elle risque de mal le prendre si on va la laisser tranquille deux secondes. Chloe, I'd really like some space right now. Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. No, I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but... apparently, she gets smashy when she's angry. Attention, la tornade. Non, y a pas de tornade. Salut Firk et salut. Salut All Star. Eh oui, j'ai lancé tout à l'heure. Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes, 45 minutes. Here. On a fait le train et où est-ce qu'on s'est arrêté hier et le parc, juste après on est descendu dans un parc. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all. With the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass. But seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait. Don't go. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what exactly? You know, like a friendship. But more. Ah. I know. Weird, right? It's just... today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize... whatever's going on between us is special. Come on,
Say something. Chloe, I'm sorry. I am really, really sorry. But I can't. I can't. Even though I want to. Non, là, ça parle pas mal. Je te rassure qu'il y a des moments. Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. J'ai vraiment pas compris. En fait, donc on a fait l'histoire, le moment du train où ça s'est super bien passé. Après, on est parti dans le parc où les deux rigolaient super bien. Et arrivé dans le parc, on a regardé une personne et elle a commencé à changer de comportement et à se vénérer. Ah, là, c'est le moment où on défonce tout. Cassé, 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 cassé. Allez, mais cassons tout. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Ah! Fuck off, Rachel. I've never understood your hard-on for cameras, Max. Ouais. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. C'est bon? T'as fini? Non, il en reste encore à détruire? If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Alors, D2, c'est Diablo 2. Fuck you, j'aime pas voir le D2 en parlant de Destiny. Moi, D2, ça reste Diablo. Mais oui, j'ai testé la bêta de Destiny 2. Et j'ai testé et j'ai préco. J'ai préco le la version. La collector numérique. Donc celle avec les DLC, etc. Et oui, je serai. Je le ferai. Ah non, c'est la voiture de l'accident. Ah, c'est sale ça. Mais oui, je le ferai. Je sais pas avec qui encore. Je sais qu'il y a Stivo qui l'a pris. Et comme c'est des groupes de 3, on verra bien qui sera le troisième. Mais j'ai bien hâte qu'il sorte là. Même si j'ai un peu peur qu'il soit un peu court et manque de contenu au début. Parce que de ce que j'en ai vu en fait, des mecs sur console, ils ont fini le jeu très très rapidement, après ils ont tourné en rond sur les deux dernières missions, et là il y a eu la sortie du raid, et le raid il s'est fait boucler en une heure, enfin, très rapidement. La voiture où son père a eu l'accident et qu'il est mort.
fatiguément. Bon, au final, on s'est embrouillé avec Rachel. Elle veut pas sortir avec nous. On a séché les cours de chimie. Et on va se faire défoncer par les parents. Bonne journée. Why are you crying, sweetheart? Because you're not real. I'm not. What is going on? What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Il y a tous les objets, tu sais. Hey, where's my marker? Je sais pas qu'est-ce que t'en as fait. Hey, where's my marker? Je peux pas t'en aider plus, donc j'ai la tête. I guess I did that. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Oh. There it is. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Le truc est un peu flippant quand même. Rachel. Du coup, on n'a pas pu faire le tag. Par contre, il est compliqué à situer ce préquel parce que il pourrait être intéressant à être fait en premier pour la continuité de l'histoire. Mais d'un autre côté, si t'as pas fait Life is Strange, il y a plein de trucs que tu peux pas du coup vraiment comprendre. Genre pourquoi l'accident il est si important quoi.
Par contre, le corbeau revient très 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 souvent. Autant dans le premier Life is Strange, c'est la biche, là c'est le corbeau. Il est partout. Ah, il est toujours dehors, quoi. Donc là, ça va être discussion, il va falloir que je fasse attention à ce que je veux dire. You came. I'm glad. Voilà, là, les choix sont compliqués. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. 5 kilometers, ça va quand même. I still remember the smell of his coat and how calm he was and the sound of his voice and ah non, c'est vrai, ouais. C'est vrai, on le sait. He was just so strong, message, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know I'm lucky
that you were with me today. Mais je le lis après quand même. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? Ouais. And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Comment elle pouvait le savoir? You dropped that one guy with a knee to the balls. Only because you showed up at the last minute and... See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. Oh, oui. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. C'est rapide leur décision. Oh, demain, on se casse. Allez. Non, jette pas la photo, tu vas le regretter plus tard. Can I borrow your lighter? Ah, j'ai un t-shirt avec un feu. Thank you. Bien. C'est totalement ça. Alors je sais pas en quoi elle est faite, mais généralement le papier glacé des photos, ça brûle pas comme ça aussi rapidement. Come on. Mais non! Mais... Alors, il y a quand même de déclencher un incendie. Tellement fier. Tu sais d'où vient le problème. Pour exprimer sa colère, etc. Enfin. Mais oui. Après, faut voir. Hein. Max avait bien le pouvoir de remonter le temps.
Pourquoi elle sourit, elle, c'est de sa faute. C'est totalement de sa faute ce qui se passe. Et donc voilà, comme toujours, ça finit. C'est la force de Life is Strange, c'est que ça finit toujours l'épisode en se disant mais je veux la suite. C'est vraiment ça le défaut, c'est t'as toujours envie d'avoir la suite, la continuité de l'histoire, voir où est-ce que ça va te mener. Et c'est vraiment ce que j'aime bien sur cette série. C'est exactement pareil pour Life is Strange, qui lui était découpé en 5 parties. Et à chaque fois qu'une partie sortait, c'est vraiment tu te jetais dessus et t'allais découvrir les nouveautés. Du coup, en termes de temps, j'ai regardé hier, j'ai streamé 1h45, moi l'intro, on va dire allez 1h40, une bonne heure et demie, et là 1h, ce qui fait que l'épisode 1 de Before the Storm dure 2h30 à peu près. Et j'ai pas pu tout faire parce que j'ai eu certains tags que j'ai loupés, j'ai des messages que j'ai pas lu, j'ai tout le lore que j'ai pas lu. Le lore, je vais le lire à côté de ça, je prendrai du temps pour lire tous les bouquins. Donc 2h30, ouais, comptez 3h si tu veux vraiment tout chercher. Voilà, maxi 3h si tu veux vraiment tout chercher. Donc merci à Dontnod qui est le studio qui a développé Life is Strange. A savoir que Dontnod, c'est un studio français-parisien qui a développé le premier Life is Strange. Et donc qui a été édité par Square Enix et Square Enix qui a voulu Life is Strange s'est super bien vendu et donc ils ont voulu plus de contenu de Life is Strange. Malheureusement Dontnod sont sur un deuxième jeu qui s'appelle Vampire en même temps et ils ont la suite de Life is Strange, donc ils pouvaient pas produire vraiment à la vitesse, surtout que c'est un petit studio parisien et enfin, petit par rapport aux grands qui existent. Et donc, du coup, ils ont confié celui-ci à Deck Nine. Pour l'instant, je fais deux reproches. Le premier, les animations qui sont un peu plus dures, les personnages un peu plus durs. Tu sens un petit peu que c'est pas au top au niveau finition. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et le deuxième, c'est qu'il est beaucoup plus narratif que le premier. C'est-à-dire que si on aime les jeux narratifs comme moi, c'est pas gênant. C'est très plaisant, surtout qu'il y a une bonne histoire, les choix sont intéressants, etc. Mais c'est vrai que le premier Life is Strange, il y avait quand même plus de gameplay, il y avait un équilibre qui était là. T'avais pas mal de déplacements, etc. Qui n'est pas le cas ici. Après, il reste encore deux autres épisodes. Donc c'est possible que ça s'améliore par la suite. Oui, studio français parisien. Oui, bah écoute, je sais pas. Il y a peut-être un village qui s'appelle Paris dans le monde, je sais pas. Peut-être. Qui sait. C'est pas que c'était de la note. Et voilà, en tout cas, très content de l'avoir fini. D'avoir fini ce premier épisode. Je vais vite fait checker quand est-ce qu'il est disponible le suivant. Normalement ils le disent à la fin des crédits, mais on va quand même rechercher. Épisode 2. Sorti. Sachant que généralement il y a un mois et demi. Non. Normalement, enfin à moins qu'ils aient sorti les 3 épisodes d'un coup. Mais pour le... Il n'y a pas d'info. Ça veut dire que les 3 épisodes sont disponibles? Ah, attends. Wikipédia est toujours là. Avec l'épisode 1... Euh...
Total de 3 épisodes, on s'en fiche. Sur Wikipédia, il n'y a pas de date. Épisode 1, le 31 août 2017, mais épisode 2, il n'y a pas de date encore. Il n'y a aucune info sur les dates. Alors, je pense que ça va pas tarder. Généralement, c'est un mois et demi, à peu près entre les deux épisodes. C'est ce qui se dit sur Internet. Donc, c'est sorti 31 août, 31 septembre. Faudra compter mi-octobre, à peu près pour la suite. Ah, épisode 2 coming soon, ouais, c'est ça. Alors, du coup, Firk, c'est un préquel de Life is Strange, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Life is Strange, la story, c'est Max revient à Arcadia Bay, elle retrouve Chloé, donc le personnage qu'on joue cette fois-ci, dans celui-là, elle retrouve Chloé, et Chloé a radicalement changé parce que elle a perdu son amie Rachel, qui a disparu mystérieusement. Et on va enquêter sur la disparition de Rachel, en fait, avec Chloé. Et donc, dans Before the Storm, on joue Chloé qui rencontre Rachel. Donc là, c'est le début d'histoire, et c'est ce qui va faire que le comportement de Chloé va changer, puisque Rachel va forcément disparaître. Et... Alors je précise, disparaître, etc., en restant vague et flou, pour vous inciter, si vous n'avez pas fait Life is Strange, à le faire. Du coup, il y a son histoire dedans. Mais c'est vraiment un préquel. Et comme je disais, sachant que donc Dontnod est en train de faire Vampire, qui est un jeu du même style, sauf que ce sera l'histoire d'un médecin qui se trouve être un vampire en même temps. Et tout au long de son histoire, il va devoir faire des choix entre sauver des gens et tuer des gens, puisque c'est un vampire et qu'il doit, pour survivre... Donc ils sont en train de faire ce truc-là, et à côté de ça, ils ont un projet de Life is Strange 2 qui est en cours de développement. Voilà, et là, ça, c'est la chose intéressante... qui est à la fin du jeu, c'est que donc là en fait on voit les stats de tout ce que les joueurs ont fait dans Life is Strange. C'est-à-dire que, et ça c'est par épisode, donc par rapport au tout début quand il y a eu le fight dans le bar, on a été, donc je fais partie des 63% des gens qui ont attaqué le mec et 37% qui sont partis. J'ai été méchante avec Joyce, 38%, sachant que ce choix-là, c'est votre faute. Hein. Enfin, pas toi, Firk, mais c'est la faute de Marcel et d'Allstar. Hein. Et 62% des gens ont été gentils.
Je ne me suis pas mêlé au combat, ce qui fait 13% des gens, alors que 87% se sont jetés dessus. Ça aussi, c'est votre choix. Et 74% des gens ont dit qu'on voulait que Rachel soit notre petite amie, contre 26% des gens qui n'ont pas voulu. J'étais d'accord, je me suis sacrifié pour vous. Et donc voilà, et c'est ce que je t'expliquais en fait, c'est que justement, ces choix, donc les choix que tu vois là, ce sera ceux-là qui auront un impact majeur sur le reste du jeu. Et dans les autres épisodes, donc ces choix, dans l'épisode 2 et 3, ces choix seront conservés. Et ils auront une conséquence. Donc on peut voir les stats à 1000, le seul truc c'est que autant sur Play, quand j'y jouais, j'avais des collègues qui jouaient, donc c'était marrant de comparer les stats avec ce qu'ils jouaient. Autant sur PC, je ne connais personne. Voilà, donc et là on a les... Alors il y a un peu la caméra devant, mais c'est pas super gênant. Et donc ça, ce sont les choix mineurs qui ont été faits tout au long de la partie. À savoir qu'on est 54% à ne pas avoir pris l'argent, tu vois, All-Star, tu... Alors non, ça c'est les choix majeurs. T'as les choix majeurs qui vont vraiment impacter sur l'histoire en elle-même. Et après tu vas voir, donc là, c'est tous les choix mineurs qui, eux, vont avoir un impact, par exemple, sur les dialogues. Sur les dialogues ou sur des événements mineurs. Donc là, j'ai pas pris l'argent 54%, j'ai pas acheté l'herbe à Franck 63%. Je n'ai pas lu le livre de Joyce. Ah ben ça, je l'ai loupé. Non, mais c'est pas prendre l'argent, c'est voler de l'argent à un mec qui vendait des t-shirts. Et qui était certainement lié à du trafic, donc j'ai préféré éviter. Mais le livre de Joyce, voilà, ça c'est une chose que j'ai loupée. Ouais, ça dit rien du tout, parce que bah, du coup, quand on a été dans la chambre, on n'a pas dû faire suffisamment attention, et on a loupé le livre. On est 71%, voire 1000 la photo sur la commode. Vous n'avez pas glissé d'argent dans le sac de Joyce. Ah, ben voilà, tu vois. Là, on aurait pu récupérer l'argent et le mettre dans le sac de Joyce. Ce qui aurait pu déclencher quelque chose par la suite. Donc, tu vois, moi, je pensais qu'on serait servi de l'argent pour forcément acheter à Franck. Mais on aurait pu finalement prendre l'argent, ne pas l'acheter à Franck et le mettre dans le sac de Joyce. On est 25% à avoir refoulé l'autre pour ne pas sortir avec lui, ce qui me paraît pas mal. Eh ben ça voilà, je l'ai loupé aussi. Qu'il y a Skip et sa démo, donc il y avait un truc avec un personnage que j'ai pas vu. Je l'ai pas écouté, je l'ai même pas rencontré. C'est certainement dû au fait que quand j'ai fait le jeu de plateau, ensuite on a été directement dans l'école, alors qu'on aurait pu peut-être faire le tour encore pour trouver des gens. 78% avoir fini le jeu de plateau. 48% à avoir saboté les devoirs de Victoria. Ah ça, c'est des gens qui n'ont pas joué à Life is Strange. Hein. Sinon la majorité, elle aurait été là. Hein. Ouais, tomber amoureux, donc ça c'est la pièce. Vous avez partagé avec vos écouteurs, oui. Ah, il y a 2% de crevards quand même qui ont écouté tout seul la musique. Vous avez sauté du train. Vous n'avez pas sauté du train. Ah, je serais curieux de savoir ce que ça fait quand on saute pas du train. Donc voilà, c'est toutes les stats qui...
Ah, c'est le teaser. Shit. No one steals from me. I want my fucking money. Ok. Donc, le teaser, problème d'argent. Life is Strange Before the Storm, épisode 2, Splendid Nouveau Monde. Prochain épisode, bientôt. Et donc là, on ne le voit pas, c'est sous la caméra, mais en gros, on a deux menus. On le voit qui bouge en dessous. On a soit le mode collectionneur, qui va nous permettre de refaire un petit bout d'histoire, enfin, de refaire certaines parties pour aller chercher... à compléter bah, tout ce qui est à côté, donc les tags, etc. Ou revenir au menu des épisodes. Moi, clairement, ce que je fais, c'est que je reviens au menu des épisodes. Et je ferai les trois épisodes d'abord, donc il nous reste Splendid Nouveau Monde et L'Enfer Vide. Et une fois que ces trois épisodes sont faits, je refais le jeu généralement une deuxième fois avec d'autres... d'autres dialogues. Et du coup, il faudra que j'achète l'édition Deluxe parce que j'ai plus que le premier épisode pour l'instant. Je sais pas combien elle est. J'ai beau cliquer. C'est un nouveau pastille. En tout cas, du coup, je vais stopper ici. Parce que du coup, c'est fini. Mais ouais, voilà, avec tout ce que j'ai loupé au niveau des 2-3 trucs que j'ai loupé, etc. Je pense que ouais, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure serait à rajouter au niveau du jeu. Facilement. Sur ce, merci. Merci à vous deux d'être passés en tout cas. Et certainement à ce soir, alors je sais pas si ce sera sur ma chaîne ou celle de Marcel, on fera du PUBG pour tester le nouveau patch. Ciao ciao.